La journée internationale du sport féminin a toujours été célébrée le 24 janvier de chaque année. Et c'est dans le but d'attirer les médias et de sensibiliser le public sur le sport féminin. Pour les femmes, les choses ne sont pas comme attendues. Celles-ci doivent toujours revendiquer les mêmes droits et les mêmes chances que les hommes, quel que soit leur domaine. Pour un peu comme si on considérait un mot, un peu. Même ce mot, c'est la A, plus la foot, c'est la équipe nationale, c'est mieux, c'est moi qui est dans la carte différente par rapport à une balle. Une balle peut nous sentir, oui, martyr et tout. Mais une balle, ce mot, on peut être dans la rame. On va bien mieux. Comme si on considérait un aimant, on peut être dans la carte, une balle dans la carte. Pour cette année, la Journée internationale du sport féminin vise quatre objectifs, à savoir le développement de la pratique féminine du sport, la présence des femmes dans les instances dirigeantes sportives, l'économie du sport féminin et sa médiatisation. En RDC, le sport féminin est encore loin du professionnalisme et ces jeunes dames sont des symboles de négligence sur le plan national alors que le monde a évolué. Aussi quand est ami, même ça se bien mais tout pas. Sauf qu'il est aussi une chance à faire de la basket. Je vis que tout ça, l'espoir monte, donc il a déjà très merveilleux. Donc, tu roules quand même, au bas de la compétition, au bas de la compétition, mais tout ce que tu as combien là, tu robot, tu vas vraiment le poste. Il faudrait juste un peu de considération de nos dirigeants sportifs pour promouvoir le sport féminin.